parce que j'ai pas de baskets, j'ai mal partout. Voilà, c'est angélique, hein. J'ai un prénom bizarre. Mon comportement aussi est bizarre. J'ai fait le métier le plus bizarre de la Terre. Et puis tout est bizarre. Angénique use les semelles de ses chaussures dans les rues de Belleville. Guide, visite, promenade pour touristes en mal d'exotisme local. Le quartier de Belleville n'a pas eu le privilège de connaître les constructions haussmanniennes. La première porte qu'elle a franchie dans le quartier, celle d'une pâtisserie, pas par hasard. Elle date de 1887 et je voulais savoir si ces personnes qui la tenait, connaissait l'histoire vraiment de la pâtisserie. Car pour raconter l'histoire de Belleville, Angénique écoute d'abord celle de ses vieux habitants. De 65 à 104 ans, 300 témoignages enregistrés sur son dictaphone. J'aime beaucoup valoriser l'être humain, l'être humain est important en fait. Et puis j'aime aussi recueillir, on va parler. Ça enrichit ma visite et ça valorise les quartiers de Belleville et ça valorise les personnes aussi. Au cours de ses visites promenades dans Belleville, Angénique a l'art et la manière de se faire ouvrir les portes. Si, c'est moi. C'est Angénique. Ça va la plus belle fille du quartier? Ça va, le plus vieux du quartier. Qu'est-ce que c'est des réactionnaires encore, tout ça? C'est des révolutionnaires. Toutes les portes, même les plus digicodées. Les habitants du quartier me donnent les codes. Et chaque fois que ça change, les habitants m'appellent pour me donner les nouveaux codes. Attention. Une balade d'arrière-cour secrète en atelier d'artiste méconnu. C'est un tourisme qui ne répond pas à la norme de visiter et partir. Plus que des touristes, c'est des curieux. C'est des gens qui veulent connaître leur ville. Pour la visite, comptez 2h30, 210 minutes et au moins autant de marches, 96, 97, 98, et une bonne demi-heure pour saluer les connaissances dans le quartier. Je suis devenue une enfant de Belleville. Je sais qu'à Belleville, je ne mourrai pas de faim. J'aurai toujours un commerçant qui va m'étendre vraiment un sandwich, une orange, une pomme. C'est ce côté-là qui me plaît à Belleville. Allez, Hugues, bonne journée. Bonne journée.